Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Swan. Et j'ai le hockey, génial. Yeah. Oh super. Salut Swan, ça va? Ouais, ça va. Aujourd'hui on va jouer à Pokémon épée et bouclier. Enfin épée, pas bouclier. Ouais, là c'est épée. J'ai pas encore reçu le jeu mais je l'ai téléchargé. Je suis trop impatient, le nouveau Pokémon que tout le monde attend. Truc de fou, vraiment. Et en plus c'est génial parce que là j'ai le hockey, un énorme hockey que je pense que je vais garder dans toute la vidéo. Yes, super, pile pour ce tournage là, hein. L'un des plus importants, vraiment. Génial. Donc, regardez Pokémon épée juste ici, on va le commencer, c'est parti. Je vais faire mon starter, je vais commencer ma petite aventure. Quant à Swan, lui, il va commencer son aventure sur Pokémon bouclier. On l'aura en jeu et Swan il y jouera sur sa console Switch Lite. Donc on fera des petits combats, des échanges plus tard dans le jeu. Ouais. Allez go, Pokémon épée que je vais lancer. Voilà. Nintendo Switch, Nintendo. Japonais? Ouais, japonais. On va prendre français à mon avis, c'est plus simple. Alors ma photo. Fille. Ah bah déjà rien que là, juste avant, sur Soleil et Lune c'était déjà mieux fait ça. Je vais commencer à critiquer, allez c'est parti. Sur Soleil et Lune, en fait on avait le professeur Euphorbe qui nous accueillait, qui nous disait à quoi vous ressemblez et après on avait le choix des photos. Donc là on a pas toute une présentation comme ça, bon après tant pis hein, détail hein. Bref, je vais prendre qui moi Swan? On prend premier, bien. Premier, basique ouais. Est-ce qu'on peut mieux personnaliser? Ou je vais m'appeler Swan? Ouais, non, appelle-toi Néo, c'est moi qui vais m'appeler Swan sur bouclier. Je vais m'appeler Néo. J'ai bien choisi français, hein, donc c'est quoi ce truc? Allez, go. On dirait des hiéroglyphes. Ouais, ou des lettres de Zarbi. Ah! Oh, une poursuite de jeu d'ours! C'est une vidéo, en fait, sur YouTube. Wow, magnifique arène. Oh, c'est joli. C'est pas un terrain de foot? Non, c'est une arène. On dirait un terrain de foot. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde. Des Pokémon et j'ai le hockey pour lire, c'est parfait, surtout pour un jeu comme celui-là. Ah, galère, la belle galère, galère, la verdoyante, galère, ville éclatante. C'est quoi galère? Galère, bah, c'est la région. Ah, ah. Wow, magnifique éléphant. Si galère était le paradis, c'est parce que humains et Pokémon ils vivent en harmonie. Ouh, la mer et les airs, waouh. Oh, j'ai. C'est quoi ce Pokémon? Nouveau? J'aurais dit que c'était un éléphanto fusionné avec une orange. Je vais faire à côté. C'est quoi zéro ton... C'est zéro du quotidien, mes chers amis, sont mes dresseurs. Ouais. Mais il y en a qui ont pas... On me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis chez Rose pour vous servir. Oui, je t'ai pas servi. Ah ouais, oula. Désormais, temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar, moi. J'ai le Métarac, le maître, aboutissez-le bien, bien fort. Allez go! Et Tarak qui est là! Ouais! Est-ce que c'est toi en fait? Oui, je l'ai le style. Avec un drac au feu! Ne crois pas que c'est toi en fait, hein? Ah non! Ton avis! What? Il va affronter. Alors il dit passer dragon donc il va mourir. Est-ce que je vais perdre un match? Bah non, t'es type feu! Dynamax, oh là, quoi? Wow, style la forme Draco Dynamax. Hein. Ça, c'est les formes géants? Ouais, nouvelle forme. Il est beau, hein. Et voilà, Pokémon épée. Magnifique présentation, c'est joli. Dans un trou noir, un nuage? Alors, apparemment, on n'a plus la place estivale, donc je sais pas trop comment ça va se passer les échanges et les combats. Bah, petit mouton. Oh, un Goinfrex. C'est toi? Moi je suis Ronflex. C'est toi Ronflex? Moi je dors pas autant. Ouais, attention. Toi t'es Goku Boff. T'es aussi fort que lui. Yo! Yo! Tu dis c'est Tilly? Ah ouais. T'as un nouveau téléphone, la classe. Oh, t'as un mouton de compagnie, la classe! Tu sais que j'ai que blanc encouragé, faut prendre un peu de drac au feu. Hein. Pose drac au feu. Te voilà mon petit Nabil, alors c'est le grand jour. Ah bonjour madame, ouais c'est pour ça j'ai couru pour venir chercher Néo. Tant pis pour le match, je peux le regarder une autre fois. J'ai tous les combats du frangin à la maison de toute façon. Ouais. Allez Néo, viens. N'oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Oh oh. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre de jouer à un jeu Pokémon sur Switch. Avec le grand écran. What? Ok, Goinfrex. Ah. Quoi? Ah, je l'ai réveillé. Moi j'aime bien énerver quoi. Oh.
Magnifique maison, écoutez. Hein. Je pense que la nuit, ah, ça fait... c'est mon... Est-ce que votre bonnet... Ah, le sac de papa. Je pense que la nuit, cette petite poupée de Pikachu se transforme en petite poupée de Mimiki ou de Branette. Mmh. Il est bizarre ce sac quand même. Hein. Ok, voilà. C'est quoi, c'est un sac carré? Je trouve ça bizarre quand même les sacs. C'est un sac venu de Minecraft. Tu l'as été acheté en famille, c'est pas confortable. C'est quoi ça? C'est un... Oh, c'est un sac qui vient de Minecraft. Un sac, ouais. Ok, donc c'est joli pour l'instant. Hein. Oh, Pokémon! Ouais, petit Pokémon. Vraiment, il y a plein de trucs, des contrées sauvages et tout. Pour l'instant, c'est... Oh, ok. Plus, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée comme ça, même si mon frangin trop fini. Après, il y a un énorme, tu seras prêt. Des moutons. Et oh, elle t'a rien fait la barrière, pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Donc il y a un dangereux qui rôde dans la forêt de Slipwood. Enfin la cour jusque chez moi, et on y est arrivé, t'es un escargot. Tu ressembles déjà pas mal avec ta valise là, t'as emporté toutes tes affaires ou quoi? C'est joli les paysages, hein. Rien à dire, c'est très beau. C'est magnifique. T'as vu que c'est ton voisin, c'est maison où je suis derrière moi. Oh, sa maison. Oh, sympa le petit tapis. Ouais, il a un petit terrain de Pokémon. Non, oh, c'est pas un terrain de Pokémon. Si, c'est un petit terrain de Pokémon. Je crois que c'est pas un terrain de Jumbo ou autre chose. Donc c'est chez lui. Coucou. Mmh. Ok, t'as un escargot. Non, c'est moi. Oh là, Nabil. Oh, Néo est là aussi. Oh, fais comme chez toi. Bah, il est où? Et bah, il est où, franchement? Il n'est pas encore à la patience, il n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais, faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué d'orientation. T'as jamais rencontré mon frangin, tu viens avec moi si tu trouves les autres, vous faisiez connaissance. Ok. Donc, bah, je pense que. On va aller chercher ton frère qui est à la gare. Je pense que c'est celui qui va nous donner un Pokémon. Bah, je crois. Je sais pas. Oh, il y a plein de trucs à visiter. Hein. Là, il nous vient en fond, on se fait juste gaffe. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les autres herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton. Je peux me défendre. Ah, oui, lui, il a déjà un Pokémon. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approches pas trop des hautes herbes. Et oui, son mouton qui est hyper fort. Bah, dedans, il y a des Pokémon niveau 1. Un petit peu normal, son mouton. Ah, oh, ouais, il est buisson. Il y a pas d'autres herbes comme ça. Comment tu vas faire son Pokémon pour t'aider en cas de besoin? Ouais, pas faux, c'est vrai. Ok, donc on va là. Oh, c'est quoi tous ces gens là? J'en sais rien du tout. Je vais me faire attaquer. Bon, aussi, il en met devant nous. Hein. Wow. On n'a pas vu le combat avec les Dracofeu. Charlie, ton bras avec votre mec. Ouais, c'est vrai. Votre mec, Tara, qui est de retour sur les terres. J'ai continué de me battre et gagner pour vous, le public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofeu Power! T'es sûr que c'est une Dracofeu Power? Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. Oh, t'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm, facile. Ah, mais oui, c'est son frère! Ah, de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Ah, c'est un super dresseur, son frère! Oui, t'es venu accompagner, laisse-moi dîner. C'est toi, Néo, je parie, mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak l'invaincu. Je suis le maître des galas, j'adore les Dracofeu, enchanté. Dracofeu Power! Magikarp Power! Magikarp Power! Ratata Power! Ah, il laisse mon Dracofeu. Ah non, c'est bon. Yo! Mais c'est vrai, c'est vrai. Prochain, il est où notre cadeau? J'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Néo. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un mec tient toujours ses promesses. Mettez un peu ça, Emilie, je vais en prendre plein les yeux. C'est pas Shen qui doit donner les Pokémon? Non, mais c'est dans la première génération, fun. T'es un petit peu vieux. Hein. Dans Pokémon et. Admire un peu le choix. Bah, dans Pokémon et Hugo. Attention! Et. Pokémon plante. Oui, Stempo! Flambino et l'armée Léon. Ah, c'est magnifique présentation. Ouais. C'est bien fait les animations. Il joue au foot. Ah ouais. Ben. Ah non.
magnifique l'animation. Hein. Ok, revenez ici. C'est magnifique l'animation, c'est tellement mignon. Petit starter. Alors, vous voulez lequel? Non, en plus, nos yeux et tout, c'est vraiment bien fait, je trouve, vraiment. L'animation, là, comparé à... Bah, après, c'est sur DS, hein, mais... Là, Switch, ça change tout. Bah, Let's Go Pikachu, c'était chaîne, hein. Bah oui, mais c'est différent. Oh, mais Swan, franchement. C'est différent, Let's Go. C'est même pas un véritable jeu Pokémon. Enfin, si, mais c'est pas des combats et tout. C'est pas un jeu Pokémon avec une nouvelle génération. C'est pas comme XY, noir, blanc, etc. Voilà. Ok, donc là, je vais choisir le starter. Donc, alors, je vous explique. J'ai vu leurs évolutions à chacun. Donc, à la base, je vais prendre l'Arméon qui est trop mignon. Vous voyez ce petit Pokémon là, il est tellement mignon. Il est trop bien. Vous voyez? Bah, j'ai vu son évolution et c'est vraiment moche. Flamino, lui, par contre, j'ai vraiment commencé à l'apprécier. Surtout son évolution et puis son attaque signature qui est trop stylée. Je me suis un peu spoilé ça, mais je pense que je vais le prendre. Donc, soit lui, on ne dit pas pour l'instant. On le saura dans la vidéo que lui, il va tourner sur Pokémon Bouclier, c'est la surprise. Donc, en attendant, moi, je vais prendre Flamino. Désolé, Arméléon. Je te reprendrai en échange. J'arriverai à avoir un Arméléon. Allez, go. Flamino. Flamino est du type feu. Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux. C'est Flamino, le Pokémon de type feu. Tout le monde l'a pris, hein. J'ai vu les vidéos. Tout le monde a pris ce Pokémon, mais bon, il est tellement mignon et stylé, je trouve. En plus, c'est original, quoi. Feu fait à la dernière évolution. Moi, je l'aime bien. Et voilà, yes! Trop bien. Petit bois, hein. Petit bois. Ouais, il est trop mignon. Oh non, t'as de la chance. Ouais, c'est ça, je suis jaloux. Tu pars sur Flamino, très bon choix. Il doit être en mode. Oh non. À mon tour, où est Tempo, je te choisis. La faiblesse, ouais, je te choisis. Super, j'ai l'intention de devenir prochain maître. Mais c'est super rigolo dans les jeux Pokémon, ils prennent exactement le Pokémon qu'il faut pas. Pas dans tous les jeux, hein, dans les derniers. Mais ouais. C'est un bouton où je suis trop jaloux. Tiens, pour me battre en 2 secondes. Oh, pauvre l'Arméléon. T'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Hmm. Dracofeu t'apprendra le métier, tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Il est très gentil. Mais par contre, l'Arméléon, après, il sera plus fort que Dracofeu. Hein. Ouais, je suis d'accord. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. T'es bête? Non. Un barbecue, carrément. C'est magnifique. Yo, c'est magnifique. J'aurais pu m'en charger. Dracofeu. Hein? C'est vraiment des nourritures pour Pokémon, ça? Pour tout le monde. Les Pokémon, c'est comme les animaux. Moi, je passe spécialement que de la nourriture spécialisée. J'ai mangé des Lego. Des Lego, mais arrête. Non, de moi. Ah, c'est un passe-pour. Coco, Lego. Je propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. Ok, combat amical, voir comment vous débrouillez. Ok, bah, go. Ok, tout le monde est là, alors go. J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé, j'ai lu tous ses bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait, je vais forcément gagner. Nabil le dresseur va se battre. Je vais appeler dans Pokémon Let's Go Pikachu, je vais appeler mon partenaire okay. Mickey. Non, c'est toi en fait qui avait appelé comme ça. Non, non. Oh, donc Moumouton à l'attaque, fais gaffe, j'ai 2 Pokémon. Ah ouais, dès le début, lui, 2 Pokémon. Bah oui, il y en a déjà un, du coup. Ouais. Charge. Ok, charge, c'est parti. Level 3 sur Moumouton. Les actions charge sont magnifiques, je trouve. Voilà, rien que l'attaque charge, c'est magnifique. Oh, qu'un ami fait une roulade comme il fait d'habitude. Et lui, bah, il court vers lui. Il donne un coup. Quel combat épique! Regarde, il observe! Wouah! Leur combat est vraiment très très impressionnant. Là, je connais pas encore d'attaque de petit feu. Flamino monte au niveau 6. Oh yes, Flamèche! Ouais! Comme ça, on va pouvoir le massacrer! Le pauvre. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve! Ouais! Hey. Wistempo! Bon, je suis désolé pour ça. Désolé, Wistempo. En plus, il y a personne qui t'a pris en starter. Le white shot même pas. Quoi, t'as déjà compris les affinités des types? Wouah, t'es intelligent! Oh! C'est comme Badi. Badi, quand tu réussis un IE, il dit wouah, tu existes! Bizarre, j'ai plus de PV. Ouais, bref. Flamèche, ok. Donc, du coup, voilà, on a fini. C'est marrant parce que, comment dire, lui c'est un type. C'est marrant parce que lui c'est un type spécial. Il n'y a pas beaucoup de starters type feu qui sont forts en attaque spéciale. Au niveau 7. On avait fait l'Inferno, Dracofeu, c'est tous Rotiflamme, c'était plus des types feu. Enfin des types feu physiques, pas spécial. C'était un super combat, vous avez tout donné et ça se voit. Ouais, franchement on a tout donné. Hein.
J'avoue, j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracaufeu tellement que ça avait l'air bien. Quoi? Quoi? Bref, après l'effort, le réconfort, venez ici que soient vos Pokémon. Ça... Blam. Blam. Eh, t'as entendu ça? Il s'est passé quoi? Ah. Mouton a réussi à forcer après tout ce temps. En une nuit? Personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Mais chercher. Ouais, on va aller le chercher, hein. Complètement d'accord. On peut pas juste abandonner et faire genre qu'on a rien vu. On s'est dit, c'est décidé, on va le sauver. Ok, bon bah on va dans la forêt, hein. Écoutez. Forêt de Sleepwood. Wow. Oh, un Pokémon. What? Oula. Wow. Un rongourmand sauvage. C'est toi? Non. Oh. Ok, donc c'est un peu les ratatas. Voilà. Non. Oh non, un petit écureuil. C'est parce qu'il a trop mangé. Et voilà, c'est ça. Il faut pas qu'il nous voit en fait. Ok, donc c'est un mini-ange sauvage apparaît. J'aurais dit moi un rougoule. Bah c'est Rougoule. C'est Rougoule de cette génération. Ça rapporte un peu de niveau pour ton Flamino. Ouais, l'ambiance est bien faite, hein. J'aime bien. Je suis dans la forêt comme ça, c'est joli. Par contre, il y a beaucoup de brouillard. Bah là, oh ouais, j'en vois rien. Ouais, on voit vraiment rien. Ah, attention. Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. À ton avis? Mais il est stressé, lui. Est-ce qu'on est bienvenus ici? Les Pokémon sauvages. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ce truc? Mais c'est épais! World! Mais c'est épais! Ah, carrément, on apprend le Pokémon légendaire tout de suite! Machin apparaît. Oh, il a une oreille cassée. C'est trop bizarre. Et il a pas son épée là, il est bizarre. Hein? Ok, donc ça a aucun effet. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet. Oh, c'est bien fait l'animation avec le combat en même temps. Non. Ah, c'est une illusion, incroyable, c'est comme si l'attaque n'avait aucun effet. Ah, c'est pas le Pokémon légendaire. C'est on n'y voit plus rien, ça va. Mais c'est pas lui. C'est une sorte d'illusion. Oui, c'est stylé. Je peux absolument rien faire là. Ok. Ah, on voit plus rien. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est vrai que. Ah, oula! Oula. On n'est pas du tout les bienvenus ici, hein? Ah, carrément, c'est façonné. Les Pokémon n'ont pas le droit d'attaquer les humains. Nabil Néo. Oula, c'est un rack. Comment tu t'es trouvé? T'as zéro sens dans l'invention. Bah d'accord, dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Bah c'est vrai. Vous avez eu trois plombs, hein, mais vu que personne ne se pointait, je finis par partir à votre recherche. Mon mouton, où est mon mouton? Il est disparu dans les bois, on doit le sauver. Ah voilà. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement KO. Ça n'a pas la tête, vous avez fait pourtant que la forêt est interdite d'accès. Il n'y a pas à dire, je suis quand même fier de vous, c'était courageux de votre part. Ouais, un drôle de Pokémon, pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je ne l'ai jamais vu avant, et impossible de le toucher, les attaques lui passaient au travers. C'est des illusions en fait. Zoroark. Ça fait bien massacrer par un Pokémon légendaire, génial. C'est pas un Pokémon légendaire, c'est une illusion, ils ont dit. Bah on sait pas si c'est une illusion. Ok, donc la route 1. Alors si je lis pas beaucoup, c'est parce que j'ai mon énorme hoquet, donc voilà, c'est un peu compliqué, vous voyez. Ok, oh là. Ah ouais, allez voir dans les buissons. Comme sur Pokémon Let's Go. C'est trop bien fait. Oh, on a un renard. Deux antipas. Ok, on va aller voir le renard quand même. Quoi ça va? Oh, un goupilou sauvage apparaît. Il est bien fait le Pokémon renard. Mais il y a vraiment de nouveaux Pokémon, c'est super. Bah oui, nouvelle génération. Ah ouais, c'est stylé. En fait, on a leurs commentaires sans appuyer dessus. Ouais. Ah ouais.
Ouais. Vole tout. Oh, vole tout. Ouais. Yes. Tu veux ce Pokémon, Zen? Oui, c'est un chien. Oh. Ah, donc voilà, c'est professeur Magnolia. Nous avons voisé. Ok, donc c'est Voltoutou, ce Pokémon. La Rockin, c'est Sonia, c'est une dresseuse, elle adore ses petits plats. T'as c'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. C'est plus dur qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Je te signale que si Voltoutou vient sauver, mise à chaque fois, c'est parce que je vous envoie. À ta rencontre. Oh. Ah, Voltoutou le bled. Bref, enchanté, je suis Sonia, je suis l'assistante de ma grand-mère. Au final, je te présente Néo, et je suis dans une carrière intéressante, je compte sur toi pour l'aider. Ouais, on peut affronter, ah, on peut t'affronter s'il te plaît. Il a bien eu ton Pokémon. Avec qui vole tout? Ouais. Bah, bah, il est à mon niveau peut-être. J'adore ces filles blanches, mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Et tu as déjà un Motismart, ce que je vois. Un Motismart? Comment ça va, Motisma? C'est Pokédex. Ah bah voilà, en fait c'est... Ouais. Bref, t'es calé en Pokémon. Ouais. C'est vrai, cool. Ça n'a pas accès Pokédex sur mon Motismart. Ok, voilà, on a Pokédex sur notre Motismart du coup, voilà. Pourquoi ils disent tout le temps vous avez désormais? Je sais pas, en fait Pokédex c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Manuela. Du coup tu peux passer le premier que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Oh. Ah voilà, c'est Pokémon, je peux pas le rater, il ressemble à tous. Ouais, jeter un oeil, hein. Il y a pas de boutique là, il y a une petite panneau boutique. En fait, Néo, c'est la première fois que je présente ce Pokémon. Oui. T'inquiète, je vais t'expliquer. Oh non. On aurait pas dû lui faire. Oh non. Ouais. C'est quoi ce Pokémon? Un petit smile bizarre. Ah voilà, la boutique. Ok, donc on va aller acheter des Pokéballs. Acheter. Bon. Ils sont mes Pokéballs là. Je crois que c'est dans votre boutique. Ok, et fais voir la boîte PC du coup. Accéder aux boîtes PC. Ok. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon. Oui! Et oui, Pokémon, ça va pas se remplir tout seul. Les minus. J'ai eu peur. Bonjour. Ouais, sur deux. Oui! 20 Pokéball. Oh, ah. Sérieux? Il est énervé. Je me demande à quoi ça ressemblait une équipe de Niol. Ok. Ouais, lui, il part dans le buisson. On va te bluffer. Ok, c'est parti. Allez. On va se promener. Du coup, c'est comme sur Let's Go, on a des Pokémon. Qui sortent comme ça, je trouve ça va vraiment super bien fait. Ah, y'en a aussi qui sont juste dans le coin, c'est dans les buissons. Apparemment. Ouais, ok, y'a plein de mini songes ici. Non. Il est type acier insecte, non? Oui. Acier insecte. Il a le même type que Sidaiox. Harry, c'est Harry Potter. Larvadar. Je comprends que tu t'es fait battre. Pas de critique. Niveau 5. C'est vrai, j'ai de massacrer en tout cas. Ouais, il y a des trucs là. Flamèche. Double faiblesse type feu, hein. Je peux pas faire grand chose. Goupilou. Ouais. C'est une attaque. Je te fais rien, mais c'est pas grave. Oui. Il va refaire Yvette. Ah non. Ouille. Mimikyu. Défense baisse. Ouais, donc là, s'il fait vite. Ouais, ça va faire mal. Même pas en fait. Ça fait déjà plus mal, si. Bah, faut que je soigne mes Pokémon. T'as des potions, hein? Ouais. Allez, Goupilou, du coup. Ah, donc c'est la. Professeur Magnolia, voilà. Pardon, j'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. Chacun sort sabre.
Voilà, c'est Magnolia. La musique est belle, oh, je trouve. Je les aime. Oh. Mmh, je t'arrête. Et t'as Concombeuf. Qu'on connaît rien en Pokémon, ah ouais. Tu t'es bien crédit toi hein. Ouais, ça ne fait rien pour les aider. C'est pas fou, c'est pas fou, j'avais complètement zappé si ça se fait des choses. Si j'aurais confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Ok, soigner au Pokémon du coup. Pas besoin de les soigner alors. Si, moi c'est pour les pépés. Ok, encore un combat. Yeah. Allez, hein, écoutez. Un petit combat. Ça m'intéresse. Bon, je vais regarder le combat hyper épique. Moi je suis à la hauteur. Mais t'as pris aucun Pokémon? J'avais oublié. Il l'a pris. Je pense qu'il a pas pris 20 Pokémon. Hein. Il avait pris un mignon. Il a le mouton. Un mignon go. Ça, c'est du déjà vu. Alors, ça progressait. Mais ça est-ce qu'on va vérifier ça? C'est cool qu'il y ait les textes comme ça hein, avec moi. Ouais. Charge. Vas-y, toi, tu m'énerves. Je pense qu'il y en a trois, Navi. Il a survécu. Mais... Ah, c'est un truc super efficace. Ouais, mais même s'il y a le truc super efficace, c'est marqué. Ah, quand même. Ok, c'est gagné. Ça va tirer qu'au combat, j'adore quand c'est comme ça. Ah, dernier Pokémon. Un mini-ange, ah il en a pris un. Attention mini-ange. Okay. C'est un talent. Ok. Pic pic. Et voilà, c'est bon. Je suis un peu deg d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es un rival à ma hauteur. Mais c'est quoi ce truc? Ah! Jirachi! Oh, Néo, des étoiles bleues, regarde! Des étoiles bleues? Je connais pas ce objet. Oh! Une gemme au point mystérieux. Dynamaxer un Pokémon aussi. Non bon là je trouve pas ça ouf comment ils l'ont placé le truc. Je reviens pas. Oh j'ai plus mon hockey. Oui j'ai plus mon hockey. Je vais enfin pouvoir lire. Yes. Par contre non les Dynamax là j'accepte pas. Je suis pas d'accord. Pour les forces Z ils nous ont donné le bracelet Z. Oh, c'est Tocorico parce qu'on a eu Tocorico nous a sauvé la vie donc là c'était bien fait. Avec le légendaire, les méga gemmes, je crois bien qu'on nous les donnait à un certain moment, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle que pour les forces Z, on les avait, etc. Et là, le Dynamax, on l'a comme ça, il apparaît devant nous. Tenez, voici, hein, mais la plus puissante du jeu. Ça, c'est merci. Ça, par contre, je passe à vous. T'imagines un Ratatavion? Ah, carrément, une bonne forme Dynamax. Pour les Dynamax, le professeur Manuelia. Ok, bah voilà, écoutez, très bien. Je préfère les bracelets Z. Vous avez trouvé. Oh, ce qu'il y a, non, je peux dire Maxime et Pokémon comme mon frangin. Ah bah quand même. Écoutez, vous voyez, je peux éviter tout son nombre et rencontrer autant de Pokémon que possible. On va entrer dans l'histoire. T'es sûr? On fait la course jusqu'à la gare, ok. Alors voyons comment siffler. Ok. Non. C'est pas drôle. Oh, un terrain canne à pêche. Alors, quel type? Oh, Corailion, s'il vous plaît. Corailion de Galar. Elle est trop bien. C'est ma Corailion de Galar. Magikarp! Oh, 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 Magikarp! Oh,
Waouh. Sérieux. Mais c'est normal, hein. Bah oui. À mon avis, on a une chance de trouver un corail. Ok, donc on continue la promenade. Oh là, oh non. Malgré c'est pas où, hein. En tout cas, non. Hé, hey, souris, attrape-le. Mais je veux pas te voir toutou, moi. Mais c'est pas grave, oui, s'il te plaît. Tu veux pas voir toutou. Mais il faut que t'attrapes des Pokémon, on s'en fiche. Mais. Non, mais soit il va en attraper plein, il va avoir la boîte PC remplie. Mais soit c'est pas comme dans Pokémon Let's Go où t'as une boîte Pokémon, t'as même pas de boîte PC. Là, t'as une boîte PC où tu stockes tes Pokémon. La guerre est par ici. Ok, donc la guerre est là. Alors, est-ce que sur son jeu on peut récupérer la méga gemme, les forces Z, je sais pas, dites-moi en commentaire vraiment toutes ces questions que je me pose. Ou ouais, ou est-ce qu'on peut, transférer avec la banque Pokémon quoi. Alors, t'en as combien? Quoi, zéro? Mais est-ce que tu. Qu'est-ce que t'as fait chier? C'est qu'il faut que tu montes une équipe. J'ai exactement. Oh, tu vois, voilà. Faut pas avoir de Pokémon et comme ça il donne à cet météore. Quoi? Bah merci hein. Attrape pas de Pokémon, Zel. Je vais l'attraper jamais. Mais ça ne rigole aussi, tu l'as forcément là, c'était t'inquiète pas. Quoi? À mon avis, J'ai pas respecté, je lui ai désobéi. Oh bah tiens, je lui ai donné une CD super forte. Bon, pas hyper forte. Oh yeah, c'est possible. Oh, il peut rendre des terres lui. Hein. Bon, on remplace par charge. Bah, enregistrement. Non, charge. Je sens que t'as déjà eu attaque. Kit de camping. Oh, c'est génial ça. Ah, mais les kits de camping en fait, c'est pour faire des barbecues et nos Pokémon et tout. C'est trop bien fait. Ah, et puis très géant en train. Quoi? On joue à Pokémon Go. Trois nouveaux moutons, envoyer les voiles, ok, il faut interrompre la circulation. Quoi? Trop bien. Ah oui, yes, des terres sauvages. Ah oui, mais apparemment, ouais, c'est un nouveau truc du Pokémon, ça, des terres sauvages qui sont immenses. Des grands champs et tout, trop bien fait. C'est génial d'y aller, hein. Bah, oh, regarde, c'est génial ça. Oh, et viens voir, tu vois la ville là-bas, c'est Motorby. On va trouver des smogos, quoi, quelle heure. Ici. Est-ce qu'on y arrive? Je suis sûr qu'on aura croisé tout plein de Pokémon. Eh mais c'est Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère. Regarde-moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Pas tant de la grand-mère. Oh, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Elle a la dent dure, mais un cœur d'or. Et votre histoire de Pokémon étrange en près de la forêt, près de chez vous, est autrement plus intéressante que ces radotages. Je vais mener l'enquête. Et si je découvre quelque chose, grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux. Ouais, c'est vrai. Ça a tellement galère d'être adulte. Mais non, ça fait un bail que je n'ai pas parti à l'aventure, ça va me faire du bien de retourner. Sur le terrain, camper, pêcher, ça m'avait manqué. J'ai soit qu'il s'endort. Et oh, c'est sérieux. Tu peux partir, hein. Moi, je vais chercher des ondes de Pokémon Dynamax pour me dire à eux. C'est le début de mon histoire. Là, il faut qu'il se calme un peu le Nabil, hein. Les Pokémon Dynamax, c'est pas de la tarte, effectivement. Il vaut mieux commencer par réussir à dynamaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans. Ouais, c'est vrai. Ah oui, j'ai toujours pas essayé moi. Dans les terres sauvages, on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge. Ce sont des antres de Pokémon Dynamax. Quoi? Si tu te sens de taille, tu peux toujours tenter d'approcher de l'un d'entre eux. En attendant, j'ai un truc pour toi. Ouais. Ah, j'aime bien ça. C'est ce que t'as dans Let's Go. Mais sauf que moi, j'ai obligatoirement. Alors, vous voyez, c'est ce genre d'item, j'aime pas. Je sais pas comment expliquer, quoi? Mais. Oui, ok, c'est pratique, mais je trouve ça moins crédible avec la boîte PC, oui. Dynamax, qu'il y a Dynamax. Quoi? Bon. Je sais ce que je veux dans mon équipe. Ah, ils sont extrêmement puissants. C'est bon, Onyx, il est gentil. Il a l'air très fort, oh non. Il est level combien pour rigole? Il pleut. Il est 26! Mais attends, il pleut! Oh! Il pleut? Il pleut donc il est peut-être. Non. Il a fait bien, n'importe quoi. Il est sûrement one shot, hein. Je fais un. Flamèche. S'il te plaît, one shot pas. Malédiction. Yes, yeah, c'est bon. Je veux l'Onyx. Je pense pas que j'aime définitivement dans ma Attends, team. Hein. J'avais fait la même chose avec un Makuhita, vous voyez. Ah, son attaque augmente, génial. Hein. Attends, ça mais... Combien c'est pas assez efficace? Super. Mais tu peux pas dynamasquer ton machin, hein?
Dynamaxé. J'aurais du mal à le dire. Non, pas pour l'instant. Météor, on va tenter. On va tout tenter là. Hein. Dracosouffle. Quoi? Bonjour. Dracosouffle. Paralysie ou. Voilà. Dracosouffle. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse, moi? Vous n'avez pas réussi à faire fuir le camp, mais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est à un niveau. Il a 16 niveaux de plus que moi, il a Dracosouffle. Alors, par contre, ça, j'adore ça, vraiment. Comment dire, je trouve ça vraiment crédible qu'on ait des Pokémon qui soient beaucoup plus forts que nous. Même, voilà. Ouais, comment dire, je sais que c'est chiant qu'on puisse pas. Ah, faut qu'on la suive. J'ai trouvé un message. Ouais, je suis perdu là, il m'en met où? Ah non, c'est bon, je suis. Non. Quoi? T'es devant les portes. Attends, je trouve vraiment bien fait, vous voyez, que les Pokémon soient beaucoup plus forts que nous. Même si c'est énervant. Non! Je voulais revenir à la Terre Sauvage, moi. Ah ouais, ils ont voulu faire un truc rapide, voilà, pour juste que je me fasse sacrifier un Pokémon, quoi. Ouais, magnifique Onix, hein. Oh, Dynamax. Oh! Un Ninjask. Il a non, ouais, il a pas l'air si fort que ça, hein. Il a pas l'air. Alors, s'il a le temps, Ok. S'il avait talent turbo, j'aurais attrapé. Ah bah, voilà, on va. Bon, fais-toi tuer. Ah, il y a Turbo, je le veux. C'est le talent caché de Brasigali. Eh bah, attendez, s'il a que fauchage. C'est rien dit. Allez, c'est bon, j'arrête de mourir. C'est bon, on va dans la ville. Même si vraiment, je suis très curieux pour cette zone. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses. On fait vraiment tuer très souvent. C'est pas si facile, hein, que. Ouais, c'est un petit Pokémon. C'est pas si facile que dans Soleil et Lune, hein. Oh, un Skelenox! Je le veux, le Skelenox. Il a tué, mais. Oh non, il a l'air très fort. Oh. Essaye de l'attraper, peut-être. Il est niveau combien? 29! Essaye de l'attraper. Pour niveau one shot, si. Ah, ok, c'est. Mais je veux fuir en nocturne et je suis mort. Non. C'est bon, on a réussi à fuir. Oh, ça va. Donc il faudra bien s'améliorer pour attraper tous ces merveilleux Pokémon. Parce qu'il y en a quand même des sympas, hein. Onix, Skelenox. Bon, Onix, ok, je dis pas qu'il est fort, hein, mais. Et bon, Noctu Noir, il est bien quand même. Et bon, moi personnellement, j'adore Onix, vraiment. Même si c'est un Pokémon nul, j'adore Steelix aussi. Enfin, ce Pokémon, il me faisait rêver quand j'étais petit. C'était énorme, c'était le méga Pokémon. De pierre. Ah, voilà, on voit. Ah. 300 W, ok. Ah, ok, voilà, c'est le Pokémon Dynamax. C'est un beau drive. Combat plusieurs combats en solo, changer de Pokémon. Ah ouais, d'accord. Donc, on va le voir. Spectre vol. Combat en solo. On va juste voir ça. Okay. Je pense qu'on va direct être KO. Mais je veux quand même voir ce que c'est. Ce que c'est vraiment scié. Ah, il y a des dresseurs qui viennent m'aider. Ah! Beau drive. Ok, un beau drive géant. Oh! Dynamax. Je peux me transformer en Dynamax. Ouais. Oh, le Dynamax là, je le prends. Oh non, j'ai pris une attaque à la tour. Mais je suis trop rapide aussi. Waouh. Et voilà, notre magnifique Flambino qui va être un Dynamax. Waouh. Allez, magnifique combat. Oh ouais. Coup de main. Aider en premier. Aéromax, pas sur moi. Ah, c'est bon. Je l'ai voulu. Oh, il y a un bout délibré quand même. Hein. Ah, il avait une ceinture force. Ok, ils ont des objets. Peut-être vos drives augmentent. Non, c'est plus. Ok, ça c'est bien. Oh non, j'ai fait quoi? J'ai fait n'importe quoi. J'ai pas vu l'attaque que j'ai fait. Pour éclair.
Ah oui, mais j'ai dû faire Météor. Pyromax. Pyromax. Ah, je peux faire sur les autres Pokémon aussi. Tu fais un lac ? Ouais, j'ai fait une. Ah non, il a annulé tous les 16 Pokémon. Il n'a pas lu le Volizaz, c'est sûr, c'est confirmé. Non, mais vous avez libéré fait pied voltige ou fait une presse, tu vois. Ok, Evoli, Delizion et KO. Je sais pas du tout ce que ça apporte. Oula. Ah ouais, c'est au bout de 10 tours, 10 tours que c'est fini. Point clair. Ah donc, type Trick, c'est son point faible. Et ça, je pense pas que c'est son point faible. Ah si. Ah non, c'est juste le normal. Mais... Je t'espère un tour du coup parce que. Oh, le soleil brille. Ça, c'est génial. Ah ouais, c'est parce que je suis. Je vois. Ok, donc là, normalement, je devrais lui faire très mal. Et ça va être mon dernier tour du coup en. Ah, on dit la max. Oh, il a un autre Pokémon, je crois bien. Ah non. Oh là, elle gagne en intensité la tempête. Pyromax, ça devrait faire très mal vu qu'il y a les Zeniths. Et voilà, ça fait super mal. Fouet de feu. Oui, oui, lui aussi fait super mal, mais c'est type feu. Voilà, ça c'est malin. Dernier tour. Défense, ok. Non. Non. Voilà. Quoi? Elle l'a soigné. Non, c'est quand il devient KO, il peut revenir. Ok. Représailles. Pas sur moi. J'ai mal. Fouet de feu, ça c'est bien. Oui, il est bientôt mort. On a 10 tours. La défense de Broutra, il baisse. Morsure. Ouais, ça va faire un peu mal. Oh, on va le tuer. Ouais, c'est bon. Broutra libéré. Flying Press. On va l'avoir. On va réussir à avoir le beau drive. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Tornade. Voilà, il l'a pas respecté. Mais on va l'avoir. Oh, attention, le beau drive. Et. Non. Je termine. Oui, on a eu le beau drive. Dynamax. Allez, salut. Je vais pas l'attraper moi. L'attraper. Oui. Ah par contre l'action doit être sympa. Bon alors ok, bon, je l'attrape. Donc on peut attraper un Dynamax, mais c'est juste pas du tout intéressant d'attraper. Ah ouais. Je le mettrai bien dans la boîte PC. J'ai bien mettre un Dynamax. Oh c'est stylé, c'est vraiment stylé je trouve. Wow. Mais toi il est petit après hein. Et voilà. Voilà. Si, mais. Oui, mais après, on peut voilà, faire grandir du coup. Bon bah. Oh, j'ai eu un truc ballon. Et bref, on s'est acheté au Pokédex, c'est merveilleux. Hein. Ok, regarde l'argent, on est qui. Bon, voilà, c'est un deuxième Pokémon. Écoutez, hein, c'est toujours ça de fait. Hein. On en a battu un. Hein. Salut, ça va? Tranquille. Il doit être niveau 40. Il a l'air très fort. Hein. C'est logique. C'est un fait que j'ai dit quand même. Et il est niveau 34. Allez, on va essayer de fuir. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je fais n'importe quoi. Charge, il y a autre chose. Et c'est parti. Bah, au moins, t'as attrapé ton. Et moi, j'ai un beau drive. Génial. Je veux fuir. Il a PV. Il a un PV, mais non. Vu que tu as beaucoup il est niveau 18, attention, hein. Il a un meilleur niveau que moi. Grâce à lui, t'as réussi à fuir. Bon, ouais, c'est bon, on va revenir chez nous. Hein. Bon, allez, on va dans la ville, on va avancer, on va s'arrêter là. Bon, t'as fait tout le tour. C'était long. Ah, Poké Camping. Oh, d'accord. Regardez. Bon, j'essaye un peu tout en fait les options là. Cuisine et quitter. Ok. Ah ouais, c'est trop bien fait. Cet ingrédient, des bons petits plats, c'est du ventail. Ah ouais. Voir les ingrédients. Ah ouais, donc on fait avec les baies. C'est excellent. Cuisiner, on va cuisiner. Allez, c'est parti. Ça vraiment c'est une petite option. Que je trouve excellente. Une pomme. Bon, on est obligé d'utiliser une pomme. C'est ce que j'ai trouvé. Hein.
On va utiliser une baie Alga aussi. Ouais, on va tout utiliser, hein, c'est bon. Et la baie cerise. Hein. Allez, c'est parti. Et la pomme juteuse. Voilà, c'est un dessert. C'est parti. C'est le feu. Ok. Ok. Tout y est. C'est dur de cuisiner, hein. C'est dur, ça. Pokémon. Enfin, c'est trop bien cette option. Vraiment hyper bien fait. Ah, j'adore l'option. J'ai une pincée d'amour. Oh. Et voilà, c'est prêt. Magnifique. C'est prêt. Bon, alors là, le paysage il est tout blanc, c'est normal parce qu'on est dans le sang Pokémon, mais dans la nature, à mon avis, c'est un meilleur curry aux pommes. Mais c'est des baies pour Pokémon! C'est curry aux pommes? Du coup, approuvé par Crémy. Ah oui, le Pokémon que je veux trop, Crémy. Ok, donc ça fait longtemps que je joue là, donc voilà, c'est bon. On va s'arrêter là, du coup. Je vais sauvegarder, hein, bien sûr. N'est-ce pas, Swan? Qui fait toujours la sauvegarde. Bref. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo sur Pokémon épée. Pas bouclier, hein, mais bon, c'est quasiment pareil. Hein, c'est juste un Pokémon qui change. Et certains Pokémon aussi qu'on ne trouve pas dans la région. Bref, voilà. Donc, ce jeu est juste génial. En conclusion, c'est ouais, un jeu. Ouais, vraiment, il est très bien réussi. J'ai même pas encore tout découvert. Si vous voulez d'autres épisodes, dites-moi en commentaire. Parce que je pense que je vais avancer moi dans le jeu personnellement. Voilà, si cette vidéo vous plaît vraiment beaucoup, je ferai sûrement une suite. Sinon, bah, je ferai tout simplement des petits combats et je change. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres trucs, de suite moi en commentaire. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Salut. Tu m'as copié.